Quand on survole une région de la Terre éclairée par le Soleil, on ne parvient à distinguer ni les bâtiments, ni les mouvements, ni les gens. Tout nous semble absolument figé et silencieux, un peu comme si on se trouvait en face d'un tableau. Mais dès qu'on passe du côté plongé dans la nuit, c'est l'extase. La vie apparaît. La nuit, la Terre prend un aspect magique depuis l'espace. On sait où vivent les gens, où se trouvent les foyers de civilisation, parce qu'on les voit briller. De là-haut, on porte un autre regard sur ce qu'est une ville. Les motifs formés par toutes ces lumières, la nuit, ça a quelque chose de typiquement humain. Il n'y a que nous pour créer ces kyrielles de points brillants parfaitement rectilignes, ou bien ces anneaux lumineux qui trahissent la présence de villes à structure concentrique. Regarder la Terre de nuit depuis l'espace, c'est en quelque sorte avoir sous les yeux une carte de l'activité humaine. Les réverbères, les routes, grandes et petites, les habitations, tout devient visible. Ça fait réfléchir à l'impact énorme de l'homme sur son environnement. Notre influence sur cette bonne vieille Terre s'est étendue à tel point que nous avons bâti à sa surface toute une couche qui nous est propre. Mais toutes ces constructions ne se sont pas faites à partir de rien.